Bonjour, je suis Laurent Grangemois, je suis originaire de la Martinique. J'ai suivi la formation à travers la page Instagram de YouthZone. Bonjour, j'ai juste vérifié la page et j'ai vu l'annonce de la formation. Je me suis dit que c'est intéressant et je me suis lancé là-dessus. La formation s'est déroulée sur une semaine. En une semaine, effectivement, 5 jours où on a une formation intensive en fait sur tout ce qui est maraîchage, donc l'agriculture maraîchage, les grandes cultures, l'arboriculture aussi. Et puis une autre partie plus axée sur l'aviculture. Les activités ont été divisées principalement en deux parties. Nous avons eu des cours de classe et aussi de la pratique. Nous avons fait de l'arboriculture, surtout du maraîchage, et aussi l'apprentissage de l'aviculture. Je pense qu'on a assez de bagages et puis aussi on nous a donné assez de polycopes, je dirais, afin de bien pouvoir se concentrer une fois là. Parce que tout le monde sait qu'une semaine, c'est pas évident de capter beaucoup de choses en même temps. Donc on nous a aidé aussi en nous donnant beaucoup de polycopes et tout ça. Comme ça, une fois chez nous, on aura l'occasion de bien comprendre les trucs et puis de démarrer quoi, nos projets. On a un très bon professeur au nom de Monsieur Ndiaye. Qui est riche de connaissances au niveau de l'agriculture. Donc pendant 5 jours, on a reçu énormément d'informations. J'ai trouvé plus que ce que j'attendais. Il y a eu beaucoup de partage, surtout d'informations. Nous avons trouvé des personnes vraiment expérimentées et qui réellement nous ont donné plus que ce qu'on attendait. Quand on se réveille du matin à 6h30 du matin jusqu'à 22h30 le soir, tout ce que l'on fait, en fait, il faut le faire, mais avec beaucoup de détermination, en fait. Il faut avoir beaucoup de volonté, quoi, en fait. Si on vient ici, il faut avoir de la volonté. Il ne faut pas venir ici en touriste, en tout cas. Voilà, j'ai retrouvé un esprit baïfal ici. Parce que ce n'est pas évident de quitter la ville, voilà, de dormir dans de belles maisons et tout ça. Venir ici en une semaine, qu'on te forme, tu pars chercher de l'eau, tu pars courir à 6h du matin chercher de l'eau, arroser les plantes, c'est pas évident. Mais on l'a fait. Je dirais plutôt qu'on a un esprit baïfal et c'est ça l'essentiel quoi, de la vie. Parce que c'est l'esprit de travail. J'ai appris ça en tout cas. Les personnes que l'on rencontre ici, que ce soit le responsable, le patron de l'institut, au responsable de la ferme, aux formateurs, aux managers, aux étudiants en fait qui sont ici aussi. Tous en fait, on sent de l'humanité, ils sont humains. Tout ce qu'il y a de bon en fait chez l'humain, on le retrouve ici quoi en fait. Ce qui fait qu'on passe une semaine, une superbe semaine quoi.